On est parti aujourd'hui pour le bilan de mon Shop My Stash du mois de février ainsi que la présentation de ma rotation pour le mois de mars. Le Shop My Stash, c'est vraiment ma vidéo du mois, l'une de mes vidéos préférées du mois à filmer. Je sélectionne une certaine quantité de produits, il n'y a pas de chiffre exact. Et je décide de les mettre en rotation et de les utiliser durant le mois. Ça me permet d'avoir une rotation dans mon petit make-up parce que j'ai quand même une collection assez importante par rapport à une personne lambda. J'ai un meuble littéralement de make-up et à côté j'ai mon meuble de palette et j'ai du make-up devant moi dans mes tiroirs à côté, et du coup c'est pas facile d'utiliser un petit peu tout. Et du coup mes Shop My Stash, c'est vraiment moi qui utilise mes produits, qui kiffe ma vibe avec mes produits. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la chaîne. On commence donc comme tous les mois par le petit bilan des produits que j'ai testés. Donc on fait par catégorie les produits teint, les produits lèvres et les produits yeux en dernière partie. Donc je commence par les produits teint dont ils sont pas très nombreux, simplement parce que j'ai choisi d'utiliser beaucoup mon Project Pan, et vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo, ce sera la même chose pour le mois de mars. Du coup on commence par les produits crème. J'avais deux blushs liquides, donc un de Rare Beauty, c'était le Soft Pinch en teinte Love, que j'aime beaucoup, c'est celui que je porte actuellement, c'est l'un de mes favoris. Je vous ai déjà parlé beaucoup de cette teinte, je l'aime trop. Blush Matte Vie et la teinte Love, c'est l'une de mes faves. Et j'ai la teinte des blushs de Made by Mitchell, la teinte A Shy Boy. Et je trouve que... Alors, je sais qu'ils sont ouverts depuis décembre 2022, mais c'était super patchy. La dernière fois que je l'ai utilisé pour un contenu que j'ai filmé hier et que vous avez vu mercredi dernier, ma vidéo une palette 3 looks avec ma palette mensuelle dont on va parler tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était super patchy. Super patchy, donc il faut que je veille ça de près. Déjà, dans mon projet pan annuel, j'ai celle-ci, c'est le bronzer. Et franchement, il est archi patchy aussi, il est devenu archi patchy. Il était pas comme ça au début, la formule a totalement changé. Donc je vais surveiller parce que bon, ça sert à rien d'acheter des trucs comme ça et ça devient déjà patchy. Je sais, j'ai beaucoup de make-up, donc je ne les utilise pas tout le temps, mais c'est un petit peu rapide quand même. Voilà. Ensuite, j'avais un highlighter de la marque Colourpop et Winnie l'ourson, s'il veut bien s'ouvrir. C'est la teinte Mind Over Matter. Et elle est magnifique. Franchement, une teinte magnifique. J'aime beaucoup la formule, j'aime beaucoup ce produit. Le Give Beauty, le blush, ce sont les Feeling Cheeky Amplifying Blush Duo, la teinte Crunch On You. J'aime beaucoup cette teinte. J'aime beaucoup la formule. Le seul problème, c'est l'odeur de ces produits. Ça sent le parfum. J'aime pas du tout. Ensuite, j'avais cette petite palette. C'est la collection collaboration entre Zachary Coldsworld et Zachary Vane et Be Perfect Cosmetics. Là, c'est la partie Zachary Vane. Vous avez vu dans mon update de Project Pan, j'ai déglué sur la partie bronzer et j'ai gardé que cette partie-là que j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis ce petit blush orangé par-dessus en légère touche. Ensuite, on passe aux produits lèvres. J'ai mis pas mal de petits produits. Donc, on commence par les produits que... les gloss. Donc, celui que je porte, c'est le Fenty Beauty Gloss Bomb Hit en teinte Fenty Glow Hit 03. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que je kiffe ce gloss? Non. Magnifique. Somptueux. Je suis fan. Ensuite, j'avais celui-ci, le NYX Fat Lip Drip. Fat Oil Lip Drip. Ou Fat Lip Drip Oil. Je ne sais pas. C'est la teinte Scrolling. Je trouve que ces produits sont overhype. Je prépare une vidéo sur les produits overhype. Et celui-ci, totalement. Il est bien, mais il est overhype. Ensuite, produit Lip Care. J'avais deux. C'est les deux que j'aime beaucoup. Donc, le Summer Fridays Lip Butter Balm en teinte Brown Sugar. Et depuis le début de l'année, j'utilise le Fruit Fetish de Milani en teinte 110 Passion Fruit Coconut. Oh, j'adore. Franchement, et en plus, c'est disponible en Martinique. J'essaye de trouver de plus en plus de produits disponibles en Martinique parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de produits que je commande, mais alors qu'il y a des produits que je peux trouver en Martinique, et ça, c'est une pépite que j'ai acheté en Martinique. Bref, ensuite, vous avez Kaleidos, et c'est Cloud Lapley Clay, et c'est la teinte Mahogany sur rouge à lèvres marron que j'ai pas du tout utilisé. Mais pas du tout. Voilà. J'ai pas trop eu l'occasion. Je vous rappelle que le mois de février est un petit peu plus court, que j'ai été malade pendant environ une semaine, donc j'ai pas filmé. Ensuite, il y a eu le carnaval, j'ai pas eu l'occasion de mettre en rouge à lèvres marron. Et ensuite, j'ai créé mon contenu, le peu de contenu, j'ai fait beaucoup de speed et je suis très glossy, donc j'ai pas eu le temps de tester ça. Ensuite, on passe à tout ce qui est yeux, ou pareil, c'était pas concluant ce mois-ci. Franchement, en termes de make-up, c'est pas concluant parce que je me suis moins maquillée ce mois-ci par rapport au mois ou aux deux mois précédents. Donc, on commence par les deux super shock shadows de Colourpop que j'ai pas du tout utilisé. J'avais la teinte de la collection avec Pips, le white, et j'ai le Fruit Punch.
j'ai pas utilisé. J'ai utilisé celui-ci, c'est cette petite palette, c'est la Glaminatrix Nearly Natural, qui se présente comme ça. La mienne est dégueulasse, mais j'aime tellement cette palette. Je vais la nettoyer un petit peu, parce que c'est un petit peu dégueulasse. J'ai vraiment plaisir à chaque fois que je ressors cette palette, et le but ultime, c'est quand même de prendre plaisir à chaque fois que vous revoyez une palette que vous n'avez pas sortie, utilisée depuis longtemps, que ça vous, vous rendez compte que vous, elle vous rend heureux. Et l'objectif, c'est que chacune des palettes que je sorte de ma collection me rende heureuse quand je les vois. C'est le cas pour cette palette. Ensuite, palette avec laquelle je me suis maquillée, celle appelée E.G. Well. Je vous rappelle, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos ma vidéo sur une palette avec cette palette. J'aime beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas la même qualité, par exemple, de ma Glaminatrix, de Odense Eye, Cosmic Brushix, Beauty Bay, etc. Mais c'est une petite palette bien sympa, avec une qualité vraiment bien, pour toutes les débutantes ou les jours où vous n'avez pas envie, parce que des fois, vous savez, en ce moment, je suis pas... Vous avez vu sur mes looks, oui, j'ai mis de la couleur, mais c'est pas aussi innovant qu'avant, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de péter ma tête, et quand j'ai pas envie, je vais sortir une palette comme ça. Ça se blend comme du beurre en 2-2. Parfait, j'aime beaucoup. Ensuite, je vous montre les trois palettes que j'ai pas utilisées. Donc la Edge Opulence de la marque Beauty Bay. Malheureusement, je l'ai pas utilisée. Pourquoi je ne l'ai pas utilisée? Mais parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai fait beaucoup de contenu, mais pas beaucoup de make-up en fait. Parce que j'avoue que les fards à paupières, c'est un petit peu... Oh. Ensuite, celle-ci, j'ai prévu de faire... c'est la... J'ai pas dit. C'est la Love Tahiti de la Carnival 3. Love Tahiti de Be Perfect et Stacy Marie. J'avais prévu de vous faire un contenu, des contenus carnaval sur, déjà sur YouTube. J'avais prévu une vidéo dessus et j'avais prévu des formats courts sur tout ce qui est short, TikTok et en Reels. Sauf que j'ai pas fait. J'ai pas fait parce que la semaine où j'avais programmé de faire ça, j'étais malade. Ensuite, j'ai celle-ci. J'avais prévu aussi de faire du contenu avec, que je n'ai pas du tout utilisé. J'aurais pu l'utiliser parce que j'étais au carnaval le mercredi décembre, pour celles qui vivent en Martinique ou qui connaissent, vous savez pourquoi. Mais celles qui ne connaissent pas, en fait, le mercredi décembre, c'est le jour où on va enterrer Vaval. C'est le début du carême et on se s'habille en noir et blanc, gris, enfin voilà. Et j'aurais pu utiliser ça, sauf que le jour où j'ai été au carnaval, j'étais, je travaillais le matin, donc je suis juste rentrée. J'ai fait juste un teint, j'ai fait 2-3 paillettes, j'ai fait un truc très vite fait. Je sais pas si j'ai un contenu, si j'ai une photo, je mettrai à l'écran bien entendu. J'ai pas eu le temps de faire plus avec cette palette, malheureusement, et pourtant je l'avais sortie pour faire des contenus pour chaque jour. Mais il faut que l'année prochaine je m'organise mieux que ça. Voilà, c'est tout pour cette première partie de vidéo. On passe à ce côté de mon rangement make-up, on va sélectionner les petits produits. Comme tous les mois, j'ai déjà sélectionné quelques petits produits que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais on va commencer par catégorie d'application. Vous savez qu'en cours, j'ai un petit project pan de 24 produits. Petit, c'est façon de parler, mais en tout cas, j'ai 24 produits que je souhaite terminer d'utiliser, avancer sur l'utilisation au cours de cette année 2024. Et dedans, j'ai deux bases à paupières, bases de teint, pardon, pas à paupières. Donc du coup, j'ai fait le choix de ne pas sélectionner de base de teint, ainsi que de fond de teint et d'anticerne, parce que j'en ai trois. Alors, j'ai trois fond de teint et trois anticernes en cours. Donc, je veux vraiment avancer sur l'utilisation de ces produits. J'ai oublié de préciser, mais il n'y aura pas beaucoup de sélection de produits parce que vraiment ce mois-ci je vais me concentrer pardon sur mon project plan 2024, mais aussi sur les produits que j'ai en cours de test. J'ai vraiment pas mal de choses en fait. J'ai une tour où j'ai mis tous les produits que j'ai en cours de test de façon à ce qu'ils soient proches de moi, et je trouve qu'elle commence à être imposante et je veux avancer dessus. Donc pas de base, pas de fond de teint, pas d'anticerne, pas de poudre libre parce que j'ai une dans mon projet pan et une en cours de test. Ensuite, je suis à poudre compacte non plus. Palette de teint, par contre, je vais en prendre une petite. Donc, palette de teint. C'est la Hourglass Ambient Lightning Edit version Tiger. Voici à quoi elle ressemble. C'est une petite palette qui est sortie pour la Noël, si je ne m'abuse, 2022, que j'aime énormément. Donc voilà pour le premier produit. Vous avez vu, maintenant j'ai un petit bac ici. Tous les produits que vous verrez ici, ce sont mes produits dans mon shop message, comme ça ils sont proches de moi. Parce qu'au début je les mettais sur mon bureau, sauf que je n'ai littéralement plus de place sur mon bureau pour mettre plus de produits, donc du coup je vais les mettre derrière moi, mais c'est toujours aussi proche. Sur ma liste, j'ai bronzer crème, j'en prends pas parce que j'en ai dans mon project pan, bronzer poudre non plus, blush crème j'en ai pas, donc je peux me faire plaisir et je vais en prendre deux. Donc je sélectionne le premier, c'est le Rare Beauty Soft Pink Blush. Je vais pas le prendre parce que je l'avais le mois dernier. Donc je sélectionne un nouveau. Le Made by Michelle Blur Chantant Toasted Terracotta.
et la teinte Mango Daiquiri. Le Bed by Mitchell en teinte Toasted Terracotta et celui en teinte Mango Daiquiri. On passe maintenant au blush poudre. Donc, j'y vais. Gift Beauty, encore le même que j'ai déjà, que j'avais le mois dernier, donc je ne prends pas. La deuxième teinte que j'ai, eh ben, elle est dans, justement dans les produits à tester, donc ça tombe bien. Et je prends une autre. Et le blush en teinte Scorcher. Il s'agit de cette petite teinte ici, de Be Perfect. Ce sont les Scorched Blush, et c'est la teinte Magma. Highlighter, j'ai une palette d'highlighter, mais je vais prendre une autre. Kaleidos Mask Melter, et je prends encore un. Le Charming Escape Mask Melter. Comilano, la collection Charming Escape, et c'est le 01 Golden Sunbeam. Ensuite, base pour les yeux, je ne prends pas. Je vais prendre des fards mono. Le Loose Eye Pigment de la marque Beauty Bay en teinte Fringe. Le Pressed Eye Pigment en teinte Vision. Le Loose Eye Pigment en teinte Rêverie. Le Pressed Eye Pigment en teinte Vision. J'avoue que les deux teintes se ressemblent un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Palette pour les yeux, j'en sélectionne aucune parce que je vous ai dit, j'en ai... Ah, si je compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 palettes en cours de test. Les gars, j'ai de quoi faire. Donc, on laisse tomber. Par contre, je vais vous présenter la palette avec laquelle je vais vous proposer trois looks. Il s'agit de la Beauty Bay Earthly 42 fards. C'est cette petite palette. Enfin, il faut que j'arrête de dire petite alors que le truc est énorme. C'est cette immense palette de la marque Beauty Bay. Je vais vous proposer une vidéo, une palette, trois looks. On va passer aux produits lèvres. Donc, je commence par les deux lip balms. J'en ai que deux options. J'en ai une que j'ai achetée récemment. Mais je vous présenterai, je vais vous faire, je pense, un petit haul des achats, alors que je suis censée être en Black Friday, mais des derniers achats que j'ai fait. Donc, je prends, comme le mois dernier, le Summer Fridays, parce qu'en fait, c'est les produits que je mets tous les jours, donc ça, je sais que je les utilise, et le Milani Fruit Fetish, ouais. Ensuite, on passe au gloss, j'en prends... Mais je vais pas prendre de gloss, tiens. Je vais pas prendre de gloss parce qu'en fait dans mon project pan j'en ai 3 et je vais avancer sur ceux-là. Je vais prendre par contre des rouges à lèvres liquides. J'en ai un seul dans mon project pan donc. Le Maybelline Superstay Vinyl Ink et le Fresh Kiss Lip Crème en teinte Gone Graphite. Voici le Fresh Kiss Lip Crème en teinte Gone Graphite. Le Maybelline Vinyl Ink en teinte 55 Royal. Et on finit avec la catégorie rouge à lèvres en raisin. J'en ai 3 quand même maintenant dans le cours de test, mais bon. Le Maybelline Superstay Ink Crayon en teinte 50 On Your Empire. Les gars, je suis très rouge. Hein. Je ne sais pas où ça que je vais mettre autant de rouge, mais bon. Le Superstay, je vais prendre un deuxième. J'ai oublié de prendre un deuxième. Le Gift Beauty, ben ça tombe bien parce qu'il est dans des produits à tester. Donc, on va s'arrêter ici. Et voilà, c'est tout cette vidéo. Je sais, je suis démaquillée, mais on se retrouve beaucoup plus tard. Entre temps, j'ai été faire plein de choses, notamment poster la vidéo que vous avez vue mercredi. J'ai filmé et édité la vidéo qui est sortie le même jour. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai très hâte d'affronter ce nouveau mois. Voilà, il n'y a pas énormément de produits yeux, mais j'ai hâte de quoi faire des petites choses intéressantes et surtout avancer sur mes produits en cours de test. Surtout, c'est la priorité au cours de ce mois de mars. Voilà, je vous fais des milliards de bisous, je vous invite à vous abonner, je ne dis jamais ça, j'oublie sous le plus clair de mon temps, j'oublie, mais je vous invite à vous abonner et à partager mes réseaux sociaux. Je suis aussi sur Instagram, TikTok et c'est tout. J'ai Snapchat, mais j'y vais jamais, donc... Voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.